Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site New Craft Day et c'est un unboxing 100% point de croix. J'ai trois articles à vous présenter aujourd'hui. Une petite toile, il me semble que c'est Joy Sunday, mais je suis pas sûre. En 14 CT, un aimant pour le point de croix et puis un sac, vous allez voir ça tout de suite. C'est parti, on va tout de suite découvrir tout ça. J'ai un code de réduction de 10% pour vous avec le code que je vais vous afficher tout de suite, M majuscule tout en minuscule ALAU10. Donc je vous mettrai le code dans la description ainsi que le lien du site New Craft Day et le lien de ces trois articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis très en colère. Aujourd'hui, franchement, je ne suis pas contente parce que ce matin, ma journée a démarré très bien. Une petite journée classique, je bois mon café, je vais traîner un petit peu sur YouTube, sur Facebook, etc. Et je me dis, tiens, il y a plusieurs colis qui quand même, des colis partenariats qui tardent à arriver à la maison. Et je dis, bon, va vérifier un petit peu parce que souvent, on reçoit les numéros par mail. Vous savez, les numéros pour traquer, enfin les numéros de tracking, là, pour voir où en est le colis. D'habitude, je ne vais jamais sur les numéros parce que ça prenne 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, les colis finissent toujours par arriver. Et puis, je sais qu'en Chine, souvent, les envois ils sont longs. On est pendant les vacances, donc je ne me suis pas inquiétée. Puis là, ce matin, je me dis, il y a des colis, ça doit quand même faire 1 mois que je ne les ai pas reçus. Donc, je suis allée vérifier sur les numéros. Et pour 4 colis différents, je ne sais plus exactement les noms des sites, mais 4 partenariats différents, c'était indiqué, livré dans votre boîte aux lettres. Donc, il y en a, ça fait 3 semaines apparemment, soi-disant, qu'ils ont été livrés dans ma boîte aux lettres. Il y en a un autre, ça fait 2 semaines. Il y en a un autre, ça fait 1 semaine. En tout cas, ça fait plusieurs jours. Et ils sont tous indiqués comme livrés dans ma boîte aux lettres. Ici, j'habite dans un bâtiment, donc c'est des boîtes aux lettres qui sont tous regroupées. Et je n'ai bien évidemment rien reçu, sinon je n'aurais pas été vérifiée sur le lien. Et donc du coup, j'ai appelé Colissimo et je leur ai demandé ce qui se passait. Et à partir du moment où le colis est livré dans la boîte aux lettres, il se décharge de toute responsabilité. Hein, ça, c'est absolument génial. Donc je leur ai dit... Écoutez, j'ai pas reçu le colis, mes voisins n'ont pas reçu le colis, ma boîte aux lettres n'a pas été défoncée pour voler quelque chose. Donc, j'ai pas, par exemple, un livreur Amazon qui m'a mis un colis dans la boîte aux lettres et qui aurait pu prendre du coup l'autre colis, puisque j'ai pas reçu de colis dans ma boîte aux lettres depuis pas mal de temps. Enfin, donc du coup, voilà, je leur ai dit ça et ils m'ont dit, écoutez, il faut aller porter plainte. Génial, super. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, j'ai envoyé des mails aux 4 partenariats, je suis un peu gênée même si j'y peux rien, mais bon, c'est des produits qu'on m'envoie gratuitement et moi je les reçois pas, donc je suis un peu gênée. J'espère que c'est pas des partenaires que je vais perdre, je pense pas, mais en tout cas, on va voir ce qu'ils vont me répondre. Je vais, je vais porter plainte sur internet parce qu'on m'a dit que je pouvais le faire sur internet. Et c'est soit tout simplement le livreur qui l'a volé, le livreur Colissimo, ou alors, qui s'est trompé de boîte aux lettres, c'est peut-être un nouveau livreur qui a confondu d'adresse pour 4 colis différents, à 4 dates différentes. Mais bon, on va laisser place au doute. On m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup d'intérimaires pendant les vacances de juillet-août. Donc du coup, comme ils n'ont pas de contrat et qu'ils sont en intérim, et que c'est que souvent pour quelques semaines, il y a plus de vols pendant cette période. Enfin, je suis super dégoûtée. Bon, allez, on va quand même passer aux articles. Mais ouais, c'est vrai que ça fout le seum. Alors du coup, premier article que j'ai commandé, il s'agit de cette belle toile avec une maman et son bébé dans les tons gris-marron. Elle a circulé sur les réseaux sociaux et je l'ai trouvée très très belle. Donc c'est bien un kit Joy Sunday, hein, j'avais un petit doute. C'est une toile en 14 CT qui fait 28 sur 31 cm et elle vaut, 5,65 €, voilà. Alors, on va tout de suite ensemble découvrir tout ça. Hop. Donc, du coup, ce colis-là, ce matin, j'étais à l'affût pour voir. Je regardais sans cesse le numéro de track que je regarde jamais d'habitude. Et j'attendais de voir, dans votre boîte aux lettres, quoi. Et je me suis dit, si je descends et que c'est pas dans ma boîte aux lettres, et non, cette fois-ci, c'était bien dans la boîte aux lettres. Donc, on a 8 couleurs seulement. Et on a ici notre petit repère.
Donc là voilà, hein, ça c'est le modèle, la photo c'est une très belle photo. Voilà, que dire, hein, c'est plein de douceur, plein de tendresse, plein de maternité, enfin, j'adore, c'est très beau. Et hop, le guide, voilà, on n'a pas de point arrière, on a uniquement des croix normales. Et ici, on a, hop, notre toile qui est surjetée tout autour, comme d'habitude chez Joy Sunday. Et on a notre modèle. Donc, comme vous pouvez constater, moi, je l'avais déjà vu, ce modèle-là. Il n'est pas confetti. Donc, ça, pour un débutant, c'est l'idéal. Bon, c'est du 14 CT, donc les points sont plus petits que du 11 CT. Mais c'est un kit Joy Sunday, donc tout est surjeté. Il y a ça en moins, à moins en pensée. Il y a ça en moins à penser. On a seulement 8 couleurs, donc on a moins de chances de se mélanger dans les couleurs. C'est une petite toile et en plus, c'est pas confetti. Donc, des fois, j'ai régulièrement la question, quel kit je peux commander, j'aimerais débuter le point de croix. Bah, vous voyez, ce genre de kit, c'est idéal pour vous. Voilà, on est vraiment pas, il n'y a vraiment pas de confetti, c'est vraiment tip top. Ah pardon, après bien sûr il faut que le modèle vous plaise, mais des modèles comme ça petits, sans trop de confettis, il en existe plusieurs. Hein. Voilà, donc les symboles sont tous bien distincts les uns des autres, je vais encore une fois galérer à parler, mais ouais, c'est super. Et alors au niveau des couleurs, bah, malgré que je ne suis pas fan du marron, je trouve qu'il y a des très belles couleurs quand même, parce que on est sur des marrons clairs, sur des couleurs crème, un blanc ici, ouais, on va dire crème, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais j'aime bien. Ici, on a un blanc blanc, et tout le reste, voilà, c'est des marrons, un marron très foncé ici. Et on a deux petites aiguilles ici dans un sachet zip. Voilà pour cette toile. Hop, je vais la ranger tout de suite. Tac. Voilà, donc ça c'est une petite toile sympa à faire entre deux projets ou à faire tout seul, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire plusieurs projets en même temps. Ça, pour les débutants ou pour les experts du point de croix, c'est vraiment tip top. Et franchement, le modèle, ouais, plein de douceur. Là, le pot à pot comme ça, mon fils a seulement 2 ans et ça me rappelle tellement de souvenirs à la maternité. En plus, j'ai allaité mon fils jusqu'à ses 6 mois. Ça s'est super bien passé et donc du coup, j'étais constamment en pot à pot avec lui. Ah, ça rappelle tellement des bons souvenirs. Voilà, allez, on passe au deuxième article. Je vais prendre le petit aimant juste ici, comme ça après on regardera le sac. Donc là, il s'agit, alors faut pas, je crois que c'est un cover needle. Je confonds cover needle et cover minder. Mais en gros, c'est un aimant pour le point de croix. Alors, je vais vous faire voir le modèle. J'ai un doute là, si c'est celui-ci que j'ai commandé. Je sais plus. Je sais plus, mais il me semble pas. Parce que vous savez, quand on est sur un site, et par exemple pour les aimants ici, on a plusieurs, on peut choisir 1, 2, 3, 4, 5 en fonction du modèle qu'on veut. Quand on ajoute à son panier et qu'on commande, bah, il n'y a pas de souci, c'est bien le bon modèle qui est choisi. Mais quand on copie le lien, soit pour l'envoyer à une amie ou soit pour l'envoyer, dans mon cas, par mail au partenaire, eh ben, le lien que je copie, ça ne se copie pas avec le numéro que j'ai sélectionné. Donc, il faut envoyer le lien et juste à côté, préciser le numéro qu'on veut. Donc, bon, c'est pas grave. Ce modèle-là, il est très, très beau aussi. Même, je pense qu'un jour, je l'aurais pris parce qu'il est vraiment super beau. Donc, c'est bah, Paris, hein, la ville de Paris. On reconnaît bien la Tour Eiffel. Il est très, comment on dit, très coloré, ce modèle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On dirait qu'il pleut. Le sol a l'air humide. Et le soleil revient. Enfin, franchement, il manquerait plus qu'un petit arc-en-ciel. Non, très, très beau, ce modèle. Donc, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, eh ben, ça sert tout simplement à venir mettre sur la toile. Donc, on a un aimant ici. On pose ça par le dessus de la toile. On met la toile et on vient mettre ça par en dessous de la toile pour que ça tienne sur la toile. Et ensuite, eh ben, on peut venir tout simplement poser nos aiguilles, vu que les aiguilles c'est aimanté, et comme ça on perd pas nos aiguilles, on a nos aiguilles à disposition, et ça peut servir aussi de repère. On peut le placer à un certain endroit sur la toile
pour se repérer, par exemple, et aussi pour ceux qui travaillent avec la méthode parking, là où est-ce qu'on parque nos fils, eh ben, on peut s'en servir pour venir coincer nos fils. Moi, c'est ce que je fais, et ça, c'est super pratique pour éviter de prendre nos croix dans les fils qui sont en attente, et puis pour tous les mettre bien au même endroit pour pas qu'ils s'en mêlent. Enfin, ça, c'est super pratique. On peut même venir mettre une aiguille avec un fil qui est déjà enfilé dedans, mettre cette petite aiguille avec ce fil en attente. Enfin, ça a plein de fonctions et c'est très pratique pour le point de croix. Voilà. Donc, cet aimant, il vaut 3,66 € et il fait 6 cm de longueur sur 4,5 cm de largeur. Hop, je le range dans son petit plastique, dans son petit papier bulle et dans son petit carton. Hop. Et voilà. Allez, on va passer au dernier article. Et il s'agit d'un sac de points de croix. Donc, vous l'avez sûrement vu, c'est même quasiment sûr, vous l'avez vu circuler sur les chaînes YouTube et sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il s'agit de sacs pour ranger le matériel et les toiles de points de croix. Je vous en ai déjà présenté un avec des petites fleurs dans les tons bleu et violet. Et j'adore. Depuis ce temps-là, je ne fais que m'en servir. Il est d'ailleurs à côté de mon canapé. Je mets tous mes points de croix en cours, mes points de croix que je travaille vraiment principalement dessus. Et je me suis dit pourquoi pas prendre un sac secondaire pour y mettre d'autres points de croix sur lesquels je travaille moins souvent. Donc cette fois-ci, j'ai pris un sac tout gris. Ouh là, il y a des mouches qui sont en train de faire quéquette à côté de moi, bouger. J'ai pris un sac gris. On voit qu'on a un effet cuir marron sur les anses. Je vous dis tout de suite les informations sur ce sac et on déballe. Alors, il fait 35 cm sur 35 cm. Et au niveau de la largeur, quand il est déplié, je pense, il doit faire 11 cm. Et il vaut, cette fois-ci, c'est le prix en dollars, 18,84 $. Mais sachez que les dollars et les euros, en ce moment, il n'y a que quelques centimes d'écart. Allez, j'ouvre sur le côté pour faire attention à vos oreilles. Oh là là! On sent tout de suite que c'est de la bonne qualité, moi, je trouve. J'ai l'impression d'un petit peu la matière, vous savez, des sacs, comment ça s'appelle? Ispac, je crois que c'est ça. Pour une fois que je me souviens de quelque chose. Oui, on dirait un petit peu la matière des sacs Ispac, on dirait. Alors, au niveau des anses, c'est très bien cousu, d'accord? Ici, comme je vous ai dit, il y a un petit effet cuir. Tout est bien cousu. Je regarde, hein, au cas où il y aurait un petit fil qui part en cacahuète, mais non, tout a l'air très bien. Voilà, donc on va ouvrir le sac ensemble, on va regarder, mais franchement, au niveau des finitions, c'est propre, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez, c'est nickel. Et de toute façon, si c'est le même sac que celui que je vous ai présenté, j'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois. J'ouvre et je referme les fermetures, et j'ouvre et je referme, et j'ai aucun souci, franchement, tout va très bien. Alors, ouais, c'est le même sac. Donc, on a. Vous voyez déjà, c'est bien parce qu'on peut vraiment l'ouvrir. Alors, attendez, je vais essayer de vous. Parce que là, c'est un peu la cata. De vous monter, voilà. On peut l'ouvrir vraiment quasiment jusqu'à la fin. Ce qui fait que, du coup, quand on l'ouvre, on peut l'ouvrir vraiment en grand. Donc, ça, c'est la première grande pochette. On a juste ici une pochette où on peut venir y glisser des choses. On a deux petites fermetures ici, pareil, où on peut venir y glisser des choses. Moi, je sais qu'ici, j'y ai mis mes coussins à aiguilles et mes ciseaux. Juste ici, on a une pochette, pareil, on peut venir y glisser des choses. Je n'ai pas la taille exacte du tambour, mais j'ai mis quand même un beau tambour sur une toile et ça passe. De toute façon, ce n'est pas compliqué, ça fait 35 cm. Donc, à la rigueur, on enlève 1 ou 2 cm parce que ici c'est l'intérieur, mais ça vous donne un petit peu l'idée du genre de tambour qu'on peut mettre dedans. Donc voilà pour la grande pochette ici. Et franchement, vous voyez ici, c'est écarté un peu. On y met vraiment pas mal de choses. Moi, dans mon sac, j'y ai mis deux toiles de points de croix en 40 sur 50 cm. Et deux toiles Joy Sunday en 30 sur 30 cm. Plus leur fil, plus les ciseaux, plus une toile qui est sur tambour, et plus les petits papiers que j'ai plastifiés avec la photo et puis le repère.
Mon sac, il est pas bombé, c'est pas le but non plus. Je pourrais remettre des choses dedans, mais là, je trouve qu'il est juste bien pour pas galérer quand on cherche quelque chose dedans, quoi. Donc ici, on a une plus petite pochette. Voilà, donc dans mon autre sac, c'est là où j'y mets les fils. Et on a plein de petites pochettes où on peut y mettre, par exemple, des bobinettes ou même des ciseaux. Celle-ci, elle est plus large. Celle-ci, elle est un petit peu moins large. Là, on a un gros élastique. Donc ça, c'est des fils, hein, mais il n'y a rien qui se découpe. Un gros élastique ici. On peut, pourquoi pas, y glisser des feuilles, un carnet, enfin, ce que vous voulez. Et ici, on a des plus petits élastiques. Donc moi, j'y ai rien mis. Je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre, mais voilà. Au moins, on a ces rangements aussi ici. Puis bien sûr, on peut mettre des choses ici. Et puis quand on ouvre notre pochette, on peut très bien la laisser fermer à moitié. Comme ça, si on a des choses, il n'y a pas tout qui part, quoi, en fait, hein. On peut vraiment glisser des choses ici. Voilà. Et on a, hop, on a ici une pochette. Et ici, hop, alors attendez, parce qu'ici... Non, c'est bon. Je croyais que c'était, comment on appelle ça, que la fermeture, elle était... déréglé, mais non. Et ici, on a une pochette aussi pour venir y mettre des choses. Franchement, tout se ferme et s'ouvre très bien. Les fermetures, il n'y a vraiment pas aucun vraiment aucun souci. Elles sont fluides. Non, franchement, je peux vous dire que celui que j'ai, ça fait un mois à peu près que je l'ai. Je m'en sers à chaque fois que je fais du point de croix puisque mes encours sont dedans. Et comme je vous ai dit, hein, je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre, je le ferme. Et j'ai jamais eu de problème de fermeture. Il n'y a rien qui se découpe. Il est toujours aussi beau, toujours aussi bien formé. Donc non. Ce sont vraiment des sacs tip-top pour transporter ces points de croix. Écoutez, voilà, je vous ai tout présenté. L'unboxing touche à sa fin. Donc n'oubliez pas, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, ne passez pas à côté du code de réduction de 10%, ce serait dommage. Je ne gagne rien, hein, avec ce genre de code. De toute manière, quand on gagne quelques centimes, c'est quand on parle de code d'affiliation. Là, c'est un simple code de réduction pour vous. Voilà. écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous tiendrai au courant là pour les 4 colis Colissimo, si ce n'est pas plus, parce que certains partenariats nous envoient pas le numéro de track. C'est-à-dire que là, j'ai pu voir que c'était marqué livré dans la boîte aux lettres parce que j'avais le numéro de track. Je sais que par exemple, j'attends un partenariat qui fait quand même aussi, ça fait quand même pas mal de temps aussi. Et là, j'ai pas eu de numéro de tracking. Donc, je ne peux pas voir s'il est encore en cours de livraison ou s'il est indiqué, comme les 4 autres, livré dans la boîte aux lettres et qu'au final, il a soit été volé ou soit ils se sont trompés de boîte aux lettres. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant, mais bon. Là, je vais devoir aller sur Internet. Je voulais faire du point de croix. Eh bien, je vais devoir aller faire 4 plaintes, porter plainte 4 fois. Enfin, il faut faire 4 fois. Ah oui, il faut porter plainte 4 fois. On ne peut pas porter plainte une fois et signaler les 4 colis dans la plainte. Il faut faire 4 plaintes différentes sur le site. Ça va être génial. Je vais passer 3 heures. J'aurais pu m'en passer. Voilà. Écoutez, moi j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!